Autour d'Achille, les os du Scamandre sont la proie des flammes. Peu à peu, le lit du fleuve se dessèche. Les ormes et les saules, les tamaris et les cyprès, tout ce qui se dresse le long des rives s'enflamme, tandis que les poissons affolés tentent d'échapper au feu d'Héphaïstos, le dieu des forgerons. La force même du fleuve semble se consumer. Le Scamandre rend les armes. Il vomit les cadavres des Troyens qui engorgent ses flancs. Le fleuve implore Héra. Il épargnera Achille, mais par pitié, que l'on cesse de torturer ses flots et ses berges. La déesse consent. Il n'est pas bon qu'un dieu soit tourmenté à cause d'un homme. Sur un signe d'elle, Héphaïstos range ses boules de feu et l'eau reprend son cours tranquille. Achille est libéré. Étourdi, il se hisse sur une berge. Héra pousse un soupir de soulagement. Achille est sain et sauf. Le temps d'en finir avec Troie est venu. Et le fils de Thétis, à nouveau, se relève. Il repart à l'assaut. Son cœur a transformé sa douleur en fureur. Il ne brûle que du désir de se battre, ne songe qu'au meurtre, au sang, aux douloureux sanglots des hommes. Les dieux, eux-mêmes, sont choqués. L'insatiable colère d'Achille est inhumaine. Il faut craindre que pareille démesure ne mène hommes et dieux vers quelque funeste destinée. Soudain, sans aucune raison apparente, Arès, le dieu de la guerre, qui a pris parti pour les Troyens, s'en prend à Athéna, l'alliée des Grecs. Il l'insulte, l'accable d'injures. Il lui reproche ses méfaits innombrables depuis le début de cette guerre. Il l'accuse d'avoir semé la discorde parmi les dieux. Et surtout, d'avoir guidé la main du jeune Diomède, le roi d'Argos, pour le blesser, lui, Arès, dieu de la guerre. Aujourd'hui, Athéna va payer. Arès, de toutes ses forces, lance sa pique sur Athéna. Elle soulève un rocher noir, énorme, rugueux, et rompt les membres d'Arès avant d'éclater d'un rire triomphal. Aphrodite s'approche alors d'Arès. Mais Athéna ne lui laisse pas le temps d'emporter son bel amant vers quelque refuge. Elle attaque la déesse de l'amour. Apollon est sur le point d'intervenir. Mais Poséidon s'interpose. Le dieu des océans lui rappelle qu'autrefois, tous deux furent condamnés par Zeus à se mettre pour un an au service d'un mortel, Laomédon, à l'époque roi de Troie. Et qu'ensemble, contraints et forcés, ils bâtirent les murailles de cette ville, Troie, qui aujourd'hui divise les dieux et les oblige à marcher les uns contre les autres. Comment Apollon peut-il venir en aide aux héritiers de celui qui condamna les dieux à travailler pour lui? Apollon approuve. Oui, pourquoi partir en guerre contre ses semblables pour de pauvres humains, pareils à des feuilles dont le destin est de se consumer et de tomber au néant.
que cesse le combat entre les dieux et qu'on laisse Troyens et Grecs régler eux-mêmes leur querelle. Alors, la vénérable Artémis, sœur d'Apollon, manque de s'étrangler. Son frère, protecteur de Troie, ose se dérober. De ses flèches, elle transpercera tous ceux qui s'attaqueront aux enfants de Priam. Aussitôt, Héra aux mains blanches lui arrache son carquois des épaules, la précipite à terre et la roue de coups. Sa haine pour Artémis est ancienne. La déesse vierge est la fille bâtarde de Zeus, née de sa rivale Leto, qu'elle pourchassa en vain jusqu'au bout des océans. Artémis parvient à échapper au courroux d'Héra et s'enfuit en larmes. L'Olympe ne ressemble plus à l'Olympe. Devant les remparts de Troie, la plaine entière flambe de l'éclat du bronze. Achille, indifférent au combat des dieux et des hommes, redouble d'ardeur, décimant sous sa lance les bataillons troyens. Pareil à un dieu, Achille bondit en tous sens. Il se rue sur ses victimes. Il frappe le jeune Dryops en plein cou. De sa grande épée, il prend la vie du noble Dardanos. Puis c'est Thros, fils d'Alastor, qui vient tomber à ses genoux, dans l'espoir que, faisant de lui son prisonnier, il l'épargnera. Achille le frappe de son épée en pleine tête. C'est ensuite à Lycaon, fils de Priam, demi-frère d'Hector, qu'il transperce l'épaule, puis tranche la tête avant de l'envoyer rouler au loin avec son casque. La terre noire est inondée de sang. Et ce terrible spectacle stimule la fougue et l'ardeur des Grecs. Du haut des murailles, Priam, témoin de la déroute de son armée, ordonne que l'on ouvre toutes grandes les portes afin de laisser entrer ses guerriers. Tous les hommes se ruent à l'intérieur. Tous, sauf un, Hector. C'est à peine s'il entend la voix de Priam. Priam, qui tend les mains vers son fils, le supplie de faire demi-tour. Mais Hector reste sourd aux supplications de son père, comme à celle d'Andromaque, son épouse. Il attend Achille. Et Achille vient à lui. Le fils de Thétis brûle de conquérir la gloire et une poussière sanglante souille ses mains redoutables. Hector vacille. La peur, une peur panique, fait trembler tout son corps. Une peur inconnue, irrépressible. Alors, Hector fait volte-face. Il fuit. Achille s'élance derrière lui. Trois fois, ils font le tour des remparts sous le regard médusé des hommes et des dieux. Alors, Athéna, ulcérée, se précipite vers Hector. La déesse de la ruse prend l'apparence du frère préféré du prince troyen, le jeune Déiphobe.
Déiphobe arrête Hector et il lui parle avec respect. En courant de la sorte, à perdre haleine, il ne peut espérer échapper au courroux d'Achille. Achille est plus rapide. Il entend l'épuiser, comme on épuise un animal avant de lui porter le coup fatal, dans le dos. Il faut l'affronter. Pour l'honneur de Troie, pour la défense de la patrie. Et l'on découvrira ainsi à qui Zeus entend donner la gloire. Hector retrouve le courage qui l'avait fui. Son frère est à ses côtés et c'est comme si Troie tout entière lui venait en aide. Hector s'immobilise et fait face à Achille. D'une voix calme, il s'adresse à son ennemi. Achille est fils de la divine Thétis, mais il n'est pas invincible. Lui, Hector, a déjà prouvé que son trait pouvait être perçant. S'il triomphe, il prendra les armes illustres de son adversaire. Mais il ne lui infligera nul outrage et rendra sa dépouille aux Grecs. Qu'Achille promette à son tour de faire de même. Désormais, tout repose sur les genoux des dieux. Qu'ils tranchent et soient les garants de cet accord. Mais Achille, furieux, brûlant de tuer son ennemi, gronde d'une voix terrible qu'il sait bien que son sort est de périr ici, loin de son père et de sa mère. Aucun pacte entre eux n'est possible. Il brisera Hector, qui tua Patrocle. Et son âme errera parmi les ombres pour l'éternité. Hector lance sa pique d'airain sur Achille. Athéna, d'un souffle, la détourne vers le bouclier aux mille ciselures. La puissante lance d'Hector ne brise pas le bouclier d'Achille. L'or, don d'Héphaïstos, l'arrête net. Désarmé, Hector appelle son frère Déiphobe. Il lui demande une nouvelle lance. Mais Déiphobe ne répond pas. Et Déiphobe n'est plus à ses côtés. Alors Hector comprend. En son cœur, Hector comprend qu'Athéna a pris l'apparence de Déiphobe pour mieux le tromper. Telle est donc la volonté de Zeus et de son fils Apollon, qui naguère le protégeait. Voici maintenant que le destin le tient. Mais non, Hector n'entend pas mourir sans lutter, ni sans gloire, ni sans quelque haut fait d'armes dont le récit parviendra aux hommes à venir. Tout son corps est protégé par ses armes de bronze, les belles armes dont il a dépouillé le puissant Patrocle après l'avoir tué. Un seul point se laisse voir, un point vital, à la base du cou. La vie quitte le corps d'Hector et l'ombre horrible le saisit.
Achille détache les armes sanglantes d'Hector, ces armes qu'il offrit autrefois à Patrocle. Il perce les chevilles du mort, y passe des courroies, puis les attache à son char. La tête d'Hector traîne dans la poussière. Un cri de douleur jaillit, celui d'une mère, Hécube, mêlé à celui d'une épouse, Andromaque. Il est couvert par les sanglots et les gémissements de milliers de Troyens qui embrasent la cité tout entière. Le vieux Priam, lui, n'a plus de larmes. Après avoir fait le tour des murailles, Achille repasse une dernière fois devant les portes de Troie. Il toise les habitants en pleurs et repart vers les nefs grecques. La nuit tombe sur le campement grec. On vient de déposer le corps de Patrocle sur un grand bûcher où se trouvent des jarres pleines de miel et d'huile. Agamemnon et tous les rois grecs se tiennent autour du lit funèbre. Le bûcher s'embrase. Achille, irrité, ordonne qu'une fois le cadavre brûlé, on recueille les cendres de son ami et qu'on les place dans un coffre d'or dans lequel, le jour venu, on versera ses propres cendres. Quant à Hector, il pourrira, abandonné aux chiens. Autour d'Hector, pourtant, les chiens ne s'affairent pas. Aphrodite, nuit et jour, les écarte de lui. Sur son corps meurtri, elle verse une huile divine sur laquelle souffle Apollon, afin que l'ardeur du soleil ne dessèche pas sa peau. Aphrodite et Apollon ont pitié du héros mort. Apollon tente de fléchir le cœur des autres dieux. Hector, le vaillant Hector, a toujours brûlé en leur honneur les animaux que l'on offre aux divinités. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un cadavre. Il ne menace plus les nefs grecques, ni ne terrorise les guerriers du fier Agamemnon. Les dieux devraient donc permettre que lui soient dispensés les rites funèbres afin qu'il aborde en paix la demeure d'Hadès. Qu'Achille prenne garde. Sa démesure agace plus d'un dieu qui pourrait bien un jour lui faire payer ses outrages. Zeus lui-même ne pourrait l'en empêcher. Héra tente une fois encore de s'opposer au dieu de la lumière, mais Zeus intervient. Il décide qu'Achille doit rendre Hector au sien. Le sort qu'il fait subir à celui qu'il a vaincu est indigne. À Tétis, il ordonne de faire ployer son fils. Et à Hermès, dieu messager, il commande de mener Priam à la tente d'Achille, afin que le vieillard ramène son fils en sa cité sans que nul ne le voie, ni ne l'arrête. Priam, debout sur un char, traverse les rangs ennemis.
le vieux roi, très digne, arrive devant la tente d'Achille. Il embrasse les genoux d'Achille, puis lui baise les mains, ses mains terribles, meurtrières, qui lui ont tué tant de fils. Achille demeure interdit. Et Priam le supplie. Il évoque le vieux Pélée, le père d'Achille. Lui, au moins, dans la lointaine Grèce, a cette joie au cœur qu'on lui parle de son fils comme d'un vivant, alors que son malheur à lui, Priam, est complet. Il a donné à sa ville 50 fils, et pas un seul ne lui reste. Et celui qu'il aimait par-dessus tous les autres, Hector, est entre les mains d'Achille. Pour le racheter, il apporte aux Grecs une immense rançon. Plus encore que n'importe quel père, il a droit à la pitié, lui qui a porté à ses lèvres les mains de l'homme qui tua ses fils. Alors, Achille relève doucement le vieillard, et tous deux s'abandonnent aux sanglots. L'un pleure sur son fils, Hector. L'autre pleure sur son ami, Patrocle. Achille demande à Priam de l'attendre sous sa tente. Il sort, ordonne à ses captives de laver le corps d'Hector, de l'oindre de toutes les huiles qu'elles pourront trouver, qu'elle l'enveloppe dans la plus belle pièce de lin qu'Achille possède, puis que ses hommes, les Myrmidons, déposent le vaillant Hector sur le char de Priam. Auprès du vieux roi, Achille s'enquiert du temps dont il souhaite disposer pour préparer les funérailles. 12 jours, Achille s'y engage. Après quoi, et malgré toute l'admiration qu'il voue au courage de Priam, la bataille reprendra. Sous la tente d'Agamemnon, la joie de la victoire a cédé la place à la colère et à l'incompréhension. Agamemnon fulmine. Comment Achille a-t-il pu promettre, sans le consulter, une trêve de 12 jours aux Troyens? Mais ni le vaillant Ménélas, ni le géant Ajax ne songent à blâmer Achille. Agamemnon, seul, s'emporte contre le roi grec. Dans son coin, Ulysse, aux ruses nombreuses, reste silencieux. Il écoute. Non pas les cris du roi des rois, mais la voix d'Athéna, invisible aux yeux de tous, et qui murmure à son oreille. Lorsque la déesse se retire, un sourire se dessine sur les lèvres d'Ulysse. Oui, bien sûr. Il a trouvé. C'en est fini de l'orgueilleuse Troie.